biloko bwe yaka ndenge nini nzambe atombola nde nzambe na bantu baza kuna bantu baza kuna Jesus nzambe na ngayo kila bango mawa bazela te ba a fili batu mama zonga na kati e papa na zoki mabe akwea bazela te mama na kosote te batina ba Maman n'a pas bien d'aller en Zambé. Kokiti sati azonga na kati azonga na kati lala Ezala kanini na ma chauffeur oyo Abazo nini Abazo zima gena ya pa de nom Dieu merci, il n'y a pas de mort. Dieu merci. N'importe où tu dois. Il n'y a pas de dengue ni de zambé. Atombola ndé. Nzambe na bantu baza kuna, bantu baza kuna. Jesus. Nzambe na ngayo kila bango mawa. Bazela te ba a fili batu mama zonga na kati e papa na zoki mabe akwea bazela te mama na kosote te batina ba oh la la mama na ba benda ye nzambe Papa, Chers compatriotes, il y a eu un accident grave sur le boulevard du 30 juin, qu'on voyait dans le titre de Mediacongo.net. Kinshasa, des élèves grièvement blessés dans un accident de la circulation sur le boulevard du 30 juin. Voilà, comme vous pouvez le voir. Voilà. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre un accident de la circulation qui a eu lieu à la sortie des classes sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de la Gombe. Parmi les passagers, deux élèves ont subi des blessures graves. À en croire les témoins, les accidentés ont été acheminés d'urgence au centre médical Diamant sur le boulevard du 30 juin. Le garçon se trouve au bloc opératoire et la fille aux soins intensif. Mediacongo.net. Voilà, chers compatriotes, je vous rappelle que le président de la République a visité ces jeunes. Voilà, de carmelmedia.info, le 18 novembre 2020, au centre médical Diamant. Le couple présidentiel rend visite aux élèves accidentés. Par Gauthier Massassou. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de son épouse,
du ministre de la Santé publique, du gouverneur de la ville Gentilly Ngobila et de son directeur de cabinet AI ont rendu une visite de réconfort aux lycéens du lycée Bossangali qui sont hospitalisés au centre médical Diamant dans la commune de la Gombe de suite d'un accident. Donc il s'agit d'un garçon et d'une fille. D'après quelques sources, une enveloppe de $5,000 a été versée à cette institution pour la prise en charge des élèves. Il y a eu plus de peur que de mal. Aucun mort a été signalé. Il n'y a que des blessés. Dieu soit loué.